Alors la Chambre syndicale du commerce de chevaux en France, qui regroupe tous les acteurs qui font acte de commerce d'une manière professionnelle. Alors aussi bien les éleveurs puisqu'ils vendent leur production, aussi bien les cavaliers puisqu'ils vendent leur valorisation, que les courtiers marchands entre guillemets, puisque marchands ça inclut plutôt tout le monde, les négociants qui achètent, qui valorisent et qui revendent. Donc c'est un syndicat qui existe depuis très longtemps et on essaye, si vous voulez, surtout de réglementer davantage, de sortir un peu d'un système tabou de mauvaise presse du marchand, du maquignon, pour essayer d'être à la hauteur de ce qui se passe à l'étranger et que tous les amateurs puissent venir acheter chez des professionnels en leur donnant un maximum de garanties, de transparence, d'expertise, de professionnalisme, etc., etc. Et au sein de notre chambre, on essaye bien sûr d'informer beaucoup sur tout ce qui se passe dans la filière à tous nos adhérents. Alors pourquoi êtes-vous aujourd'hui sur le concours complet de Fontainebleau, le championnat d'Europe ? Alors on est sur le concours complet, d'abord c'est une passion personnelle depuis longtemps, puisque j'ai monté longtemps en concours complet, mais surtout parce qu'il y a également un commerce de concours complet qui se pratique, qui se développe depuis maintenant pas mal de temps. Et je pense qu'à l'intérieur de notre chambre syndicale, il n'y a pas que le CSO, il y a le concours complet, il y a le dressage, il y a même le loisir qui se développe également, donc il faut être sur tous les sites de chaque discipline sportive, voire même de loisir. Alors Fontainebleau ici, c'est plutôt les Européens, beaucoup d'étrangers. Oui. Est-ce que vous avez des équivalents dans les autres pays étrangers ? Je ne sais pas exactement ce qui se passe, comment le commerce sur le plan syndical est organisé à l'étranger. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un autre état d'esprit, ils sont beaucoup plus collectifs que nous, ils chassent davantage en meute, comme on dit, au lieu d'être très individuels, comme le veut malheureusement le français. Et donc ils ont une organisation un peu moins institutionnelle aussi, et ils sont beaucoup plus performants. Donc le but en France, c'est de pouvoir justement d'être davantage collectif, de pouvoir travailler tous en commun, et de devenir surtout de plus en plus professionnel. Donc là, à Fontainebleau, vous allez rencontrer les cavaliers, le public, et un petit peu expliquer. Voilà, c'est-à-dire d'essayer d'abord de mettre en avant le commerce professionnel en France, en donnant la possibilité également à des adhérents qui font davantage, qui se spécialisent dans le complet, d'être également présents et de pouvoir créer des contacts, puisque ici sont réunis quand même tous les cavaliers de haut niveau. Ça veut dire qu'ils ont des élèves, ils ont des sponsors, ils ont des partenaires, ils ont des investisseurs. Donc il y a l'acte de commerce, c'est un peu le nerf de la guerre. Et dans toute activité équestre et sportive, il y a toujours du commerce, obligatoirement. C'est la raison de notre présence et pour également mieux nous faire connaître au sein du public, aux amateurs qui viennent, puisqu'ils attendent énormément de spectateurs samedi pour la journée de cross. Il faut que les gens comprennent que la chambre syndicale est plutôt là pour aller dans le sens également du service aux amateurs et rendre nous-mêmes le plus professionnel possible dans nos activités. Je vous remercie.